Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en français. Pour une fois, ce sera pas le cas souvent, vraiment pas, mais bon. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes lectures de ce mois-ci et celles en cours, donc du mois de décembre. On est actuellement le 19 décembre, c'est bientôt Noël. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur des idées de bucket list d'hiver, donc abonnez-vous. Et donc c'est parti. Donc tout d'abord, on a les Voyages au centre de la Terre en version manga. Je les ai découvertes à la médiathèque de ma ville, et donc j'ai déjà lu le premier et le deuxième, donc là le deuxième. Et il me reste encore le troisième à lire, je crois il y en a 6 ou 7 en tout. Après, un livre que j'ai emprunté au CDI de mon école, c'est un livre sur la poésie française. Donc, enfin, là c'est un livre qui est en allemand, donc à chaque fois c'est la traduction allemande et l'original. Donc il y a 4 tomes, je suis au premier et j'aime bien en lire quelques-uns le soir à chaque fois. Donc ça se présente comme ça. Et à chaque fois, il y a le texte original et après la version allemande. Ensuite, un livre, gros coup de cœur celui-là, vraiment, que je suis en train de lire en ce moment, Un millionnaire à Lisbonne. C'est sur l'histoire de Kalust Gulbenkian. C'était un grand collectionneur d'art qui avait une des plus grandes collections au monde d'œuvres, en fait. Et donc ça, c'est... c'est un livre, hein, c'est un roman historique qui se déroule en 3 parties. Donc la première, en fait, c'est pendant le génocide arménien. Donc c'est quelque chose qui est quand même très cru. Donc si on est sensible à ça, vaut mieux faire attention. La deuxième partie, c'est après la guerre, quand il a commencé à collectionner les œuvres. Et je ne suis pas encore à la troisième partie. Le roman fait 600 pages. Comme ça, je pensais qu'il en faisait 300. Mais il est vraiment génial, je le conseille à 6000%. Ensuite, Silver de Kerstin Gier. Je crois que ça s'appelle Silver en français. Ça, c'est la version originale allemande. Donc, c'est une trilogie. Ça, c'est le deuxième. Je suis en train de le lire, ça va, je suis à peu près à la moitié. Et donc, ça, c'est un roman fantastique que je trouve vraiment absolument génial. C'est un petit aspect de romance, très vite fait. Mais juste ce qu'il faut, c'est-à-dire que c'est pas un truc vraiment cucu, super énervant tout le long, parce que j'aime pas ça du tout. Mais non, franchement, j'aime beaucoup. Et si vous aimez bien tout ce qui se passe un peu avec la fantasy, mais aussi dans les rêves, ce qui se passe en Angleterre, donc c'est un truc avec les écoles un peu privées et tout, bah c'est très très bien. Et le dernier livre qui s'appelle Réveille-toi. Oui, je cache juste la médiathèque de ma ville parce que vous n'avez pas besoin de savoir où j'habite. Et en fait, c'est un livre, ça c'est plus de l'horreur. Donc si vous êtes sensible à ça, faites attention. C'est aussi un livre qui se passe dans les rêves. Donc en fait, c'est un mec qui rêve vraiment de choses horribles et qui du coup a essayé d'arrêter de dormir pour ne plus rêver de ça, vu qu'à chaque fois qu'il dormait, il rêvait de choses vraiment atroce, de crimes, enfin des choses super crues, super gore, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait ses rêves se réalisent et que c'est juste des rêves prémonitoires. Et c'est là où il va commencer il va se retrouver à collaborer avec la police, etc., qui va le forcer à dormir alors que lui ça le rend complètement fou psychologiquement. Mais donc voilà, je le conseille vraiment, et je vous mettrai du coup là en écriture les références des livres. Et donc voilà mes petites lectures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos sur mes lectures, sur les livres, sur du lifestyle, sur de l'art, sur tout ce que vous voulez, parce que je suis une chaîne quand même très très libre. Je ferai quand même pas énormément de vidéos en français non plus. J'aime bien faire genre que je suis bilingue alors que c'est pas le cas du tout. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Bye!